Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 18 ans et je suis en première année de bachelor en management à l'ISTEC. Au sein de l'ISTEC, je fais partie du bureau de l'association Chine en tant que responsable de communication, ce qui me permet de développer les responsabilités d'un travail de groupe, autant que l'association Gala pour laquelle je suis membre. Je fais aussi partie de l'équipe ambassadrice de l'ISTEC, qui me permet de partager les valeurs de mon école et mon expérience professionnelle et personnelle. Je suis égérie chez Eric Stipa, marque internationale, depuis maintenant 2 ans, avec lesquels j'ai pu confectionner la collection ADN 2021, que j'ai ensuite pu présenter aux professionnels de la coiffure lors d'un défilé auquel j'ai participé. J'ai été repérée par Alice Micard, qui m'a ensuite elle-même présenté Monsieur Stipa lui-même, et les représentants de chez L'Oréal. Intégrer l'ISTEC m'a permis de développer les savoir-faire du monde professionnel et mon audace en m'inspirant de chaque intervenant. L'école m'offre de nouvelles opportunités de carrière avec l'ouverture à de nouveaux horizons, tels qu'être employée chez Louis Vuitton ou travailler en tant que vendeuse à Roland-Garros. Le mannequinat, c'est pas seulement être prêt physiquement, c'est aussi l'être mentalement. On parle d'être aussi bien dans sa tête que dans son corps. Pour cela, il faut s'entourer de sa famille, de ses amis, ce qui nous permettra d'être vraiment en phase avec nous-mêmes. Pour réussir dans ce domaine, j'ai fait preuve d'ambition en réalisant des objectifs que je me suis fixés au fur et à mesure, et j'ai fait preuve d'observation pour comprendre les différents codes du mannequin. Je suis fière de l'affichage et de la promotion de la marque avec mes photos sélectionnées et de pouvoir aujourd'hui participer à des défilés. Une école de management permet de pouvoir intégrer des domaines haut de gamme qui peuvent ensuite ouvrir les portes du monde du mannequinat. Les stages et les intervenants permettent de se créer un réseau dans le monde professionnel. Dans un monde comme celui du mannequinat, il faut savoir être tenace sur le regard des autres, avoir confiance en soi et être patient, car les opportunités ne se présentent pas tous les jours. Il faut savoir garder la tête sur les épaules et surveiller ses arrières. Lors de ma 3e année, j'aimerais choisir la majeure luxe et obtenir mon diplôme afin de continuer un master dans l'hôtellerie de luxe. En parallèle, j'aimerais continuer le mannequinat.